Pourquoi Vanessa Paradis ne s'était jamais mariée / Samuel Benchetri est le premier. Si la chanteuse a laissé une souvenir impérissable à tous les hommes de sa vie, aucun d'entre eux n'avait jusque-là réussi à lui mettre la bague au doigt. Flore Pagny, Stanislas Meurard, Johnny Depp, Benjamin Biolay, les prétendants n'ont pas manqué, mais Vanessa Paradis ne s'était jamais mariée. J'étais fou amoureux d'elle et Vanessa était la femme parfaite, mais elle est arrivée au mauvais moment. Je le regrette, avoua même un autre de ses compagnons, Lenny Kravitz. Une idylle en particulier aurait pu voir l'actrice et chanteuse revêtir une robe blanche. Mais Johnny Depp en a voulu autrement. Pendant 14 ans, 1998 à 2012, Vanessa Paradis et l'acteur américain ont vécu une relation passionnée. De leur amour sont nés deux enfants, Lily Rose et Jack, qui font aujourd'hui la fierté de leurs parents. Et si le couple ne s'est jamais marié, c'est que Johnny Depp ne voulait pas que sa compagne perde son nom de famille. Si Vanessa veut se marier, pourquoi pas? Mais le truc, c'est que j'ai peur de ruiner son nom de famille. Il est tellement beau, avait-il confié au magazine Extra en 2010. Je n'ai jamais pensé que j'avais besoin de ce bout de papier. Le mariage, c'est entre deux âmes, deux cœurs. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui dise ok, vous êtes marié, avait précisé la star hollywoodienne. En juin 2012, Johnny Depp plaquait Vanessa Paradis pour se marier avec Amber. En août 2016, leur divorce fut prononcé après un scandale. La chanteuse française s'est de son côté consolée avec Samuel Benchetri. Les deux tourtereaux se sont unis à la mairie de Saint-Siméon, une petite ville de la Seine-et-Marne où son père est décédé en 2017.